C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué de comprendre les personnes cisgenres parfois. Oui, Tout est c'est vrai. tellement évident et merveilleux dans leur monde, c'est comme ils sont un Ouais, peu bien sûr, mais... naïfs. Even after the man is castrated, he's still a man. He's just a man who's been castrated. At a point when I was a child, I thought I was a cocker spaniel. And there's a point where we have these fantasies where we think we're Superman, where we can fly, where we're the cat. It's a great note. You know, this is childhood. He looked like a boy and he acted like a boy, but it was just so different trying to introduce him to my friends and family, saying, "This is my boyfriend. She's 22 years old." It was extremely confusing. Bah, eh bien, bah, on n'y a pas pour. On n'y a pas tellement forcé d'y réfléchir, c'est ça? Vous pourriez réfléchir pour le plaisir. Oui, bien sûr, mais plutôt pour le plaisir, dans le sens que ce n'est pas nécessaire. Ouais. Mais que j'y réfléchisse. Are you transgender, TJ? No, I'm just a boy who likes to look feminine as well as masculine. Why? I don't know, dresses are nice. They're just clothing. Plus, look at how well this one shows off my biceps. I'm still confused. It's okay to be confused. That's why we're here. We're here to learn. Mais comme les féministes, par exemple, elles réfléchissent beaucoup sur l'identité, sur les hommes et les femmes, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin, que ce soit dans la sexualité, dans le métier, dans les occupations aussi, parce que les personnes transgenres, elles ne sont pas toutes drag queens. Heureusement pour moi. That is not an infrequent complaint among transsexuals, a belief that police and others assume they are somehow involved in the sex trade. That's like assuming that a woman, because of her appearance, just wants to have sex with men. That's really not appropriate. People say, oh, trans women are all prostitutes. And it's not true. Some of us are allegedly drug traffickers. The majority of people think that for transgender females, like myself, well, all we know how to do is prostitute, steal and do drugs, you know. Well, if you don't do drugs and you don't steal and you don't prostitute, well then you shouldn't be a transgender person. You can't do nothing else. Well, okay. Les féministes doivent être tout à fait au courant de ces choses et y réfléchir énormément. Je pense que si on veut comprendre qu'est-ce que cisgenre et transgenre, si on demande à une féministe, elle doit avoir toute une théorie très complète là-dessus. Ça dépend. Tu n'as pas trop discuté de ça avec des féministes? Non. Pourtant, j'avais entendu dire qu'en Allemagne, il y en avait bah, beaucoup. Il y a eu un cas où c'était un homme transgenre qui s'est adressé à Alice Schwarz, une des plus féministes les plus célèbres de l'AMN, pour un conseil. Et enfin, elle lui conseillait que de toute façon, les identités de genre, ce serait des constructions sociales. Et que simplement, elle a conseillé ce jeune homme simplement de continuer à vivre comme une femme et de mettre des vêtements d'homme, et que de toute façon, la question de ce qu'est-ce qui est les vêtements d'homme et les vêtements de femme était une construction sociale, et comme ça sera fait. Voilà. In many queer women's spaces, the idea is that in some way that femme is reifying stereotypical gender roles. And I've gotten a lot of that sort of femme phobia around that, oh, if you're presenting femme, then you're part of the problem. Donc elle lui conseillait de mettre des vêtements d'homme, ouais, costume cravate, en se pensant en tant que femme. Oui. Et de se considérer comme une femme en costume cravate. Oui. Sachant que si cette personne a une présentation masculine naturellement et porte un costume cravate, les autres le liront peut-être comme un homme. Oui. Being aggressive is not about like just wearing baggy clothes or kind of hair or anything like that or talking like a man. Nah, that's not what being aggressive is about. Aggressive is just something that is in you. I consider myself to be transgender. But no, I don't want to be a man. I don't want to be a man. Par exemple, un garçon qui est très femme physiquement, qui se sent moralement une femme, à ce moment-là je suis d'accord, parce que c'est un handicap quand même, tu vois, quand on est né presque femme, que sexuellement il n'a vraiment aucune réaction d'homme, je pense que je suis d'accord, mais pour moi personnellement qui suis un transformiste et puis qui n'a pas du tout l'esprit d'une femme,
Yeah, I still do like a woman, you know, so that's why. It's not like I'm cutting my breast off of that man. That's not going to happen. Well, it's just facial hair. A breast with facial hair. It's wrong. This is wrong. Come on, man. C'est confus. Effectivement. C'est-à-dire, si la personne se considère comme un homme et que les autres le considèrent comme un homme, mais parce que la féministe lui a dit qu'il essaye de continuer à se penser en tant que femme dans cette situation, il va devenir fou et probablement ne pas aller très bien, enfin, de l'idée que je m'en fais. J'essaie de me mettre à sa place et ça n'a pas l'air thérapeutiquement correct. Non, pas trop. Peut-être cette personne, cette dame féministe, elle s'identifiait à lui. Elle se disait, moi, à sa place, voilà ce que je ferais. Peut-être c'est ça. Bah, j'en sais rien, ou peut-être ça c'est simplement plutôt le fait que ça soit eh bien, un homme transgenre, donc qu'elle ne comprenait pas comment on peut avoir l'intention d'être un homme, parce que je n'en sais rien. Quand on a la chance d'être né de sexe féminin. Oui. She says, do you have a vagina? Are you paid less than men? Then, my friend, you are a woman. So, I think she's missing the point. Mais il est probable quand même qu'elle ne comprenait pas ce que c'est l'identité. Enfin, l'identité du genre. Si elle dit que l'identité du genre, en quelque sorte, n'existe pas, ça veut dire qu'elle ne comprend pas. Elle comprend la partie les autres te considèrent comme tel, mais elle ne comprend pas la partie je me considère comme tel. Oui. Et dans ce cas, pour elle, un homme transgenre, c'est une femme très masculine. Oui. Ouais, parce que comme. Parce que, eh bien, le. La base de son idéologie, c'est que les identités de genre sont des constructions sociales et que de toute façon, elles n'ont aucune valeur. Et que... Parce que peut-être qu'elle a ce discours négatif parce qu'elle considère que c'est un outil que les hommes utilisent pour faire obéir les femmes. Oui. Donc pour elle, qu'une femme soit extrêmement féminine ou extrêmement masculine, de toute façon, elle se définit en termes de masculin et de féminin, et de ce fait, elle est esclave du système. Oui. Alors, en quels termes devrait-elle se définir? Voilà la question. But you've lived as a woman, so you know how women are treated, and you know male privilege. Exactly. Does it make you more of a feminist? Do women embrace you? Or, of course. Or if, no, you're not sucked into the, you're not the man now, you're not the patriarchy. No, I'm a feminist, for sure. But I'm across the board. What I would love to do so is teach men. So you just keep gathering people. Interesting. I want to, more importantly for me, is I teach men about women. Mais si cette dame féministe arrive à se penser en dehors du système homme-femme, peut-être qu'elle est transgenre aussi, puisqu'elle considère appartenir à une sorte de troisième sexe, ou à un monde où les sexes sont aussi nombreux qu'il y a d'individus, et ça c'est tout à fait transgenre comme pensée. Oui, mais il ne me semble pas que ce soit le cas. As a man, Poppy, he has male genitalia, but has lived as a woman since he was 6 years old. Partout, elle partout, elle ne nie jamais qu'il y a des hommes qui suppriment les femmes. Donc, évidemment, elle sort de la pensée qu'il y a des hommes et des femmes. Oui. Évidemment. C'est certain. C'est vrai qu'on ne pourrait pas formuler la phrase. Sinon, ça ne fait pas de sens. Elle parle du sexe féminin et du sexe masculin. Et il y a une espèce de péché originel. Quand on est avec un sexe masculin, on est forcément hostile et on cherche à tyranniser son entourage. Et... Alors, est-ce qu'elle considère que les femmes transgenres, essayant de devenir des femmes, comme on dit, sont des gens bien, puisqu'elles veulent rejoindre les rangs de la minorité opprimée, ou est-ce qu'elles considèrent que ce sont des personnes de sexe masculin avant tout, et donc elles sont marquées du péché originel et elles sont méchantes? Ça, pour la vie à elle, je ne suis pas en courant, mais paraît-il qu'il y a des féministes qui pensent cela, que ce sont, oui, que ce sont effectivement des hommes en déguise et qui restent des hommes. Et voilà. I don't feel like a man. Do I look like a man? To me, you are a male. I am. This water's pure.
doesn't pretend to be something it's not. Doesn't pretend to be a Coca-Cola when it's clearly not. Ouais, on est là devant le de la citadelle. Qu'est-ce qu'il y a sur qu'il y a à dire sur le zoo? Est-ce qu'il y a des animaux transgenres? Des animaux transgenres? Je n'ai aucune idée. Il faudrait pouvoir leur demander pour ça. Oui, mais non, je n'en ai aucune idée. Il y a des animaux homosexuels, donc peut-être dans ouais, la possibilité est là, mais je ne suis pas biologue, je n'en ai aucune idée. Au sens où, non pas où le fait d'être transgenre c'est une sexualité, non. Mais au sens où... Où une possibilité existe, où nous oui. sommes des animaux. Où nous sommes, oui. C'est ça, et on n'a pas inventé grand-chose, à part Internet, et du coup, ben, si on a un comportement spontané, probablement certains animaux l'ont aussi. Oui. Quelque chose comme ça. Pour dire si un animal est transgenre, qu'est-ce qui serait nécessaire? À part la communication. À part la communication, bah, il faudrait savoir ce qui, ce qui est considéré comme, comme typiquement masculin et féminin pour l'espèce donnée. Oui. It's what you like, it's what you do, how often you do it, and with whom, and you know, and to make it straight or gay is ridiculous. To make it straight, bi, or gay is less ridiculous. To make it straight, bi, gay, transgendered is even less ridiculous. But you can imagine, how far does that go? Est-ce que c'est possible que pour certaines espèces, il n'y ait pas de telle conception? Eh bien, il y a évidemment des espèces qui n'ont pas de genre, qui sont hermaphrodites, oui. Ça existe. Oui. Il y a aussi des espèces de poissons qui changent de sexe au cours de leur vie. Even if one does manufacture some category, once you start looking within the category, you find variation within that. And then you could make a subcategory and you find variation still within that. In the natural world, diversity is everywhere, from sex-changing fish to male seahorses that actually give birth. In some species, male and female are indistinguishable. In others, there are two or more distinct male or female genders. There are even species where intersexed bodies are in the majority. Some animals are promiscuous, others bond for life. And over 300 vertebrate species engage in homosexual behavior. Bon, après les poissons, c'est pas les plus proches de nous. Il y a des espèces d'insectes aussi où c'est... Le mâle qui a une cavité. In the vast cave network of Brazil, researchers discovered a new genus of insects, including four new species that have reverse sex organs. The BBC explains the Neotrogla female, we're guessing on the pronunciation there, has an elaborate penis-like organ that it inserts into the male's vagina-like opening. Mais il est quand même considéré comme mâle parce que ses œufs sont la cellule la plus petite. Et la femelle produit les cellules les plus grosses. Et pour les insectes, c'est comme ça que les biologistes décident. C'est génial, hein? One thing we have to remember from Darwin to Kinsey to any great thinker about sexuality is variation is the norm. Biology loves variation. Biology loves differences. Society hates it. I'm not special. The Bugis culture accepts all five genders. Tambu and Poppy join the fertility ceremony. If one of the genders is separated, then the world would become unbalanced. In order for Bisu to be able to bestow particular blessings, they have to be able to contact the spirit world. And part of the reason they can contact the spirit world is because they are male and female embodiments.